Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'imparfait du verbe être. Tout d'abord, il faut connaître par cœur les terminaisons de l'imparfait, car ce sont toujours les mêmes avec tous les verbes. Avec je, c'est AIS, j'étais. Avec tu, c'est aussi AIS, tu étais. Il, elle et on, c'est AIT, il était. Elle était et on était. Avec nous, c'est I-O-N-S. Nous étions. Avec vous, c'est I-E-Z. Vous étiez. Il avec S et elle avec S, c'est A-I-E-N-T. Ils étaient et elles étaient. Passons maintenant à l'exercice 2, à la page 12. Complète les phrases avec le verbe être à l'imparfait. Commençons par la première phrase. Hier, j'ai apostrophe, très content. J'ai eu une bonne note. Je souligne d'abord le pronom personnel j'ai apostrophe. Avec le pronom je, le verbe être à l'imparfait s'écrit était. La terminaison est AIS. J'étais. Hier, j'étais très content. J'ai eu une bonne note. La deuxième phrase est lundi dernier, Fadi, malade. Il n'est pas venu à l'école. Je fais comme avant. Je souligne le sujet Fadi. Je remplace Fadi par le pronom personnel il. Je vous rappelle que la terminaison avec il est AIT. Donc, j'écris « était ». Lundi dernier, Fadi était malade. Il n'est pas venu à l'école. Hier, nous, en classe. Dans cet exemple, le sujet est « nous ». Je souligne « nous ». Avec « nous », la terminaison du verbe est toujours « ions ». J'écris donc « nous étions ». Hier, nous étions en classe. Toi aussi, tu avec nous. Je souligne le sujet tu. La terminaison avec tu est AIS. J'écris alors tu y étais. Hier, nous étions en classe. Toi aussi, tu étais avec nous. C'est toujours avec le même exercice. Avant-hier, il avec S, sage. Où est le sujet dans cette phrase? Je souligne donc « il avec S ». Avec « il avec S », le verbe à l'imparfait se termine toujours avec « aient ». J'écris donc « était ». Avant-hier, ils étaient sages. Vous méchants et turbulents. Le sujet, c'est le pronom personnel « vous ». Avec vous, la terminaison est UEZ. J'écris étiez. Avant-hier, ils étaient sages. Vous étiez méchants et turbulents. Mardi dernier, Mariam en retard. Qui est en retard? C'est Mariam. Par quel pronom personnel je peux remplacer le sujet Mariam? Je remplace Mariam par elle. Avec elle, la terminaison est AIT. J'écris donc était. Moi aussi, j'ai apostrophe en retard. Le sujet, c'est le pronom personnel j'ai apostrophe. Avec j'ai apostrophe, toujours AIS. Alors, moi aussi, j'étais en retard. La phrase sera « Mardi dernier, Mariam était en retard. Moi aussi, j'étais en retard. » Dernière phrase pour aujourd'hui. Tous les étés ont en vacances au bord de la mer. On est le sujet. Très bien. Avec on, la terminaison est AIT. J'écris donc « on était ».
Et la phrase sera alors « On était en vacances au bord de la mer ». Retravaillez le même exercice tout seul. Merci pour votre attention et à bientôt.